Bonjour à tous et bienvenue les amis pour cette nouvelle ouverture. Je suis en compagnie de ma gameuse. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va super bien et toi mon gamer? Bah, comme d'hab, on a la pêche, on espère que tout va bien de votre côté les amis. Aujourd'hui, et non, vous ne voyez pas double, il y a bien deux ETB. ETB. Et ouais, d'épée et bouclier, point de fusion. La nouvelle collection Pokémon qui vient de sortir, qui met le joli Mew en avant. Ouais. Voilà. J'aurais voulu un petit Mewtwo, hein. Mais Mais bon, Mew, il est mignon, oui. Il est chou. ouais, C'est le petit légendaire. Il se fait plaisir. On va ouvrir ça. Donc, du coup, toi, tu te choisis quel ETB? Et ben celle-là. Eh ben, moi, c'est celle-là. On verra qui de nous deux a la meilleure ouverture. Mais avant de passer directement à l'ouverture, je vais au moins ouvrir la mienne pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah bah oui. Et pour ceux qui se posent la question, comme d'hab, on découvre ça avec vous. On ne s'est pas spoilé les cartes parce que c'est quand même cool de découvrir ça en vidéo. Et on sait par contre qu'il y a quelques Mew à aller chercher, on s'en doute Ah bien, oui, on a évidemment. hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Donc alors, le Ah, fourreau, ouais, parce qu'elle est il est magnifique. magnifique. J'adore, moi, je suis Alors comme fan. d'hab, le petit catalogue, il est là. Dedans, on peut voir toute la série des cartes. Moi, j'adore ces objets de collection. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un objet de collection? Oui et non, mais j'adore ça. Ouais, Et voilà, voilà. un petit peu, C'est ouais. du plaisir malgré tout d'avoir ça en main. Alors comme d'hab, il y a le livret. Alors des règles, si on y joue, mais sur Internet. Voilà. Les cartes, on les laisse tranquilles, on les laisse dans les classeurs. Mais on aime bien y jouer sur Internet. Je vais juste Alors. montrer ça parce que Ah oui, ça c'est c'est comme ça l'arrière, c'est ça? qu'on montre pas forcément, mais c'est vrai que c'est sympa. Eh ouais, j'avoue que c'est beau. Sans classe. Alors. Qu'est-ce C'est qui les nous a. boosters en fait. L'illustration des boosters. Les dés sont juste magnifiques. Petit jeu de dés là, sympa. On peut faire des Oh parties oui, de cartes avec ça. c'est beau. Il y a les petits séparateurs, ce que je vois là. Alors, il y a quoi? Il y en a combien les séparateurs? Ah, on a 4, hein, quatre c'est normalement. ça? Ah ouais. 4. Ouais, quatre. Et puis, il y a derrière. Un paquet d'énergie, hein. Comme d'habitude. Un peu joli, c'est cela. Alors, ça, c'est pour vous. Le petit code, faites-vous plaisir, même si on y joue, on donne des codes. Nous, on est comme ça. Les protège-cartes sont trop beaux. Oh, ouais, trop beau. Trop beaux. J'adore. Dommage, c'est toujours opaque, je le vois Ouais. malheureusement. Hop, les petits badges qui sont là. Et évidemment, on vient au fil du sujet. Pas de carte promo. Ils auraient Oh, pu ils auraient pu, un un petit petit Mew. Mew. Un petit Mew VMAX là. Ah, bah ouais. Alors, il y en a combien? 3, normalement c'est 8. Huit. Et bah lutte. Et bah voilà, pour Ah, ça c'est fait. il y a des beaux boosters. Oh ouais, il y a Ils sont des jolis, jolis hein. boosters. Oh le Mew, il est trop beau. Vraiment. Et bah écoutez, on débarrasse tout ça. Forcément, toi, tu vas voir ta boîte de ton Ouais, de côté. mon côté. Et voilà. Et on se dit à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà les amis pour cette ouverture. Alors du Eh coup, oui. toi, tu as ouvert ton ETB de ton côté. Il n'y avait pas de carte promo dedans. Non, non, Non. vraiment Bon bah pas, ok, non. non. Il n'y avait vraiment pas de carte Mais promo. bien mes petits Les 8. boosters. Alors moi, je me suis fait un kiff. Les deux Mew, là, je les ai mis en dernier. Je me suis dit, peut-être qu'ils me porteront chance. Ouais, bah C'est ça va jamais. voir. Hein? Bah je les mettrai aussi, tiens. Alors, normalement, on est toujours dans épée et bouclier. Ça doit être du 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si je dis pas de bêtises. Ça va être le test. On va voir ça. Allez. Ça a changé, Alors, hein, ça a changé. j'avoue. Oh, on a vu le dos de la carte et il y avait Ouais. changé. Ça, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Traditionnel, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Pourtant, on ne Ah rigole oui, plus. on va Alors, tout de découvrir suite, ça. moi, je regarde. Ah oui. 264 cartes. Rien que ça. Hors les Eh secrètes et les fantômes. Eh ben, ben, ça encore rigole. une belle Eh collection ben, à ça rigole pas. faire. C'est plus en plus mastoc, hein, Ouais, c'est fou, hein. On pourrait faire un peu moins quand même. Ouais. Des fois, on a du mal à compléter celles qui nous restent. Alors là, bon, on verra ce qu'on peut faire. Là, je fais pas de Oui, promesses. Hein. ouais, On on verra. verra. Encore du style de combat à ouvrir à côté. Ouais. Allez, c'est parti. Rototop. Lixie. Trop chou. Mais ouais. Laporeille. On découvre. Ouais. Tain, j'aime bien. Barganta. Tu vois? Gargantua. Ouais. Gargantua. Faut que je pense à ça. Férocinge. Je dis des Elle est conneries, hein, vous belle, me j'aime bien. connaissez. Énergie obscure. Pastille puissance. Ok. Chelours. Sympa. Ouais. Disparaît-il. Ok. Krakos en reverse. Et on commence Ouais. avec.
Oh. Très passable. Bah écoute. Ok. Eh ben non, mais bon, c'est là on découvre. Un bon début. Ah, ça, on veut faire une collection, il faut bien toutes les taper, les cartes. Mais bon. De toute façon, ouais. Là, ça va me paraître un peu compliqué. Hein. 264 cartes. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ça va être dur. Ça va pas être simple, ça. Hop. Bon, on a quelques séries qu'on a bientôt terminées, mine de rien. Certaines. On a encore un peu de mal, mais on y arrive avec de la vaillance. Mmh. Oui. Hop. Ouh, il est à l'envers. Hop, mais ça, ouais. C'est pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, on continue la découverte. Alors, Quillfish. Ah, t'es de retour, toi. Eh oui. En chouette. Miaouz de Galar. Ah, je l'aime bien. Il a une bonne gueule. Ouais, ouais, classe. Tournicoton. Flottajou. Ça faisait longtemps, lui. Et ouais. Énergie plante. Minotaupe. Dresseliande. Dresseliande, pardon. Découverte de l'aventurière. Oh. Blancoton, hein, on l'aimait beaucoup dans Destinée radieuse. Hein. On l'aimait bien, Blancoton. Et Électrode, en rare. La bonne bouille. La bonne bouille qui explose, c'est un popcorn le machin. C'est ouais, pas, ouais, ça pète. Ouais. Hop, payez vos factures, sinon vous le faites savoir, lui. Ouais, facture d'électricité. Attention, hein. Voltorb, il est au taquet. Il laisse rien passer, lui. Mais... Allez. Bah pour l'instant, j'aime bien les cartes. Il y en a des jolies. Ouais, il y en a des jolies. Il y en a des jolies. J'aime beaucoup. Hop. 4. Allez, on est bon. Donc, c'est bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2, hein, je précise. Ouais. Poulpaf. Anchouette. Zorua. Coquillasse. Putain, je l'aime bien. Ouais. En holo, celle-là, je voudrais bien. Classe. Chenipan, fait plaisir, ça. Et une énergie plante à côté, ça y va bien, ça. Mais ouais. Miasmax. Concombaf. Blancoton. Belle aussi, celle-là. Ouais, ça, j'adore les couleurs, original, excusez-moi. Ouais. L'original. J'aime beaucoup les couleurs. Je l'aime bien. Allez, Lockpin en reverse. Prêt à se battre. Hein. Mais ouais. En 1000 points d'ailleurs. Et Limaspeed en rare. Ok. Eh ben pour l'instant, c'est une petite série plutôt fort sympathique. Mais ouais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des jolies cartes ou pas? Est-ce que des cartes vous plaisent? Mais ouais. Et pour l'instant. Pas mal, ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ultra. Non. C'est les deux nœuds. C'est les deux nœuds que j'ai mis de côté. Après, forcément, quel est le quota de cette série, le quota des ETB, et bah ça va être la surprise, ouais, mais on va découvrir ça. Mais j'espère que c'est pas du tout. Ouais, j'espère que c'est pas comme style de combat. Ouais, avec toutes les cartes qu'il y a déjà, ah ouais, on galère avec si ça. Si c'est dur à choper, ça va être compliqué. Hein. Nounourson, trop beau, j'aime beaucoup. Cryptero, ah c'est un ancien aussi, ça. Toxizap. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Pokémon qui reviennent dans cette série. Kaiminus, Laporel, Énergie Combat, Ariyama, stylé ouais. Celle-là, Chapignon, Échange Croisé, Manternelle en reverse, et Mémétal en holographique. Ouais. Ma première holo. Mémétal. Mémétal, j'ai dit. Mémétal. Ouais. Allez. Stylé, j'aime bien. Jolie carte, pour le coup. Allez, il me reste 1, 2, 3, encore 4 boosters. Avec celui que j'ai dans les mains. Est-ce qu'on va taper une première ultra ou pas? Ah ben on espère. On l'espère quand même. Parce que je me rappelle la première ETB qu'on avait ouvert de Reine de Glace. Plutôt chanceuse, hein. Elle avait plutôt régalé, la première. Ouais, c'est vrai. Hop, on se fait plaisir. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas? Petit focus, hein, je m'excuse. Momouton. Pandespiègue. Darumaron de Galar. Oui, Messire. Caninos. De retour aussi, lui. Ouais. Énergie plante. Serfous. Ah, tiens, c'est bientôt Noël. Ouais. Il a sa place, lui. Scorvol. Elle est mignonne, cette carte. Ouais. Scolossandre, Sapero en reverse, oh, les Argus VMAX. Wow. Eh ben, ça alors commence voilà. bien.
Ah ouais, j'ai vu de la brillance là, ça m'a coupé. Les Argus VMAX, eh ben elle est belle. Eh ben elle est jolie cette carte. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais. Ah ouais, elle est belle. Oh, elle est pleine de couleurs. Oh, elle est très très belle cette illustration là. Oh, j'aime bien. Oh, ça commence bien, je suis content. Ah, ça fait plaisir. Au moins une petite VMAX qui tombe. Ça, c'est cool. Le TB, elle fait plaisir malgré tout. Même si on n'en a qu'une, c'est mieux que rien. On part de ce principe-là à chaque Ouais. fois. Ça, c'est important. Ça, pas mal. Ah oui, déjà une, moi, je suis content. Je suis content et... Et tire la longue. Mais ouais, il n'est pas content, lui. Attention. Bouger. Oh, pardon. Elle a mis un coup de pied dans le trépied. Hop. C'est l'excitation. Voilà, c'est pour me porter chance, ça. On verra. Allez. Allez. Coquillasse. Chenipan. Rototaupe. Lixie. Laporelle. Énergie foudre. Et Colimiscus. Sympa. Eh ouais. Ça, bah, c'est un Pokémon dragon, ça, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est le oui, c'est logo. ça. Sana, Victini, Allez, joli. Aflamanoir, Et... en holo, ouais, j'aimerais bien. Et Latias en rare. Pareil, de la famille des dragons. Mais ouais, ouais. Oh, j'aime bien ça. Ça. Allez. Oh. Là, ouais, je vous avoue que je l'apprécie, l'ouverture, là. Ça Ouais. fait vraiment du bien. Je parle de dragon, j'ai un jeu vidéo en tête en ce moment, c'est le fameux Elden Ring hein, qui va bientôt arriver pour ceux qui connaissent. Hein. Ah bah oui. Et des papas de Dark Souls, mine de rien, ça ne rigole pas. Hein. Ce monde ouvert, j'ai tellement hâte d'y jouer. Forcément, les dragons. Moi, j'adore ce style de jeu. Ah bah Ah c'est ouais. ton kiff Tout ce qui est médiéval, les Skyrim et compagnie, je surkiffe. Oui, messire. Caninos, la transition jeu vidéo. Hexadrumph. Morpeko. on le retrouve. Que l'Orior. Ah, elle est belle celle-là, j'aime Classe. bien. Les couleurs et tout, c'est sympa. Mais j'avoue, le petit Morpeko, ouais, en fait, je l'ai vite zappé à cause de l'autre carte, je suis désolé. C'est vrai qu'elle est belle aussi. Le Morpeko, c'est vrai que c'était aussi dans Destinée Radieuse. Ouais. Le Morpeko VMAX qu'on n'a toujours pas. Ceux qui se demandent, c'est Ah fou non. ça, toujours pas. Énergie foudre, Volcaropode, Chrysapile, juge en dresseur, gros doudou en Oh, reverse. on l'aime. Ah, oh, dans le style, ouais, dans le style Ça fait pelote de laine, ouais. Kirby. Ça fait très Kirby. Même Yoshi, hein. Yoshi plutôt. Yoshi et Woolly World. Ah, oh, ça me rappelle trop ça, moi. Plutôt le Yoshi, pardon. Et Latios en rare. Sympa. Ouais, ça fait trop. J'aime trop ces Pokémon en style pelote de laine. Ils sont Ouais, trop c'est beaux. stylé comme ça. Mais moi, je verrais trop une série, à la limite, une centaine de cartes ou 50 cartes. Que des cartes comme ça. Pelote de laine et tout. J'aimerais trop. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Je trouverais ça trop chou. Pourquoi pas, ouais. Ah, ce serait chou, franchement. J'aimerais bien. Ce serait Allez, vraiment. dernier booster pour toi. Allez. L'avant-dernier qui était le petit Mew, hein, qui m'a pas servi grand-chose. Non, on va avoir Hein. la dernière. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Evoli. Il est trop beau. Ouais, chou. Lixie. Escargot. Rototaupe. Sapero. Énergie eau. Écoyère. Luxio. Oh, joli. Chrysacier. C'est beau Sympa. ça. À l'ancienne. Démanta. Et on va finir avec un Angoyath holographique. Et bon, pourquoi pas? Elle est belle. Oh, j'aime Bah oui, elle est beaucoup. sympa. Elle est très très sympa. Ça reste une petite carte rare de qualité. Et là, j'en suis vraiment ravi. Vraiment belle, on découvre. Ah, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte. Ah ouais. Ouais, elle est belle. Oh, je crois que c'est une série qui va être compliquée à remplir, mais qui s'annonce bien à la fois. Ouais. Eh ben, moi, j'ai hâte de voir ce que t'as dans tes 8 boosters. Donc, moi, je perds pas la main, mais je passe vite la main. Oui, Et on se allez, dit à à tout de tout de suite. suite. Allez, bah c'est parti. Allez, on te souhaite de la chance. Ouais. Elle a fait comme moi, elle a mis ses deux Mew à la fin. Voilà. Je précise. Pour voir ce que ça va donner. Ah, le petit code. Allez, on te souhaite de À la l'endroit, ce chance. serait pas mal. Voilà. On se le disait hors vidéo, mais ouais, le ratio a l'air compliqué, à moins que j'ai une ETB pas très gourmande.
On verra. On va voir de mon côté. Après, par curiosité, on ira voir les vidéos de vos vidéos. Pour voir ceux qui ont des ETB, voir le ratio de tout le monde. Ouais. Ça, je me pose des questions. Hexadron. Morpeko. Queloria. Quishfish. Anchouette. Anchouette. Voilà. Énergie électrique. Dark Cray. Jolie, ça. Ouais, j'aime bien. Classe. Crocodile. Sympa aussi le dessin. Comment elle est faite, le dessin, j'aime bien. Éclat d'Enesia. Stelix en reverse. Très sympa. Et Yveltal. Okay. Le petit Yveltal, vraiment sympa. Ouais, ouais, ouais. Ah. Commence doucement. Ouais, mais t'as de la jolie carte. Ah, il y en a certaines, vraiment, je les kiffe. Hein. Le Dark Ray est vraiment joli, le crocodile est vraiment mignon, pour le coup. Et ça, c'est pour vous. Ah, je les trouve stylées, les cartes, même pour des communes. Mais ouais. Du coup, j'ai hâte de découvrir toutes les ultras. Ouais. Moumouton. Pandespiègle, pardon. Darumaron de Galar. Oui, Messire. Caninos. Énergie feu. Colossinge. Zarud. Oh, sympa. On ouais. En rare très souvent. Delcati. Oh, trop belle. Ouais. Charmant. Elle est trop jolie. Ah ouais, j'adore. Demanta en reverse. Et Plumeline en rare. Elle est cool. Elle est cool. Enfin, ça commence doucement aussi. Mais ouais, ouais, ouais. Ouh. Est-ce qu'on peut déjà calculer le ratio en 2 ETB ? Non, ça me paraît court quand même. Mais jolie. La jolie carte. Mais ouais. Le petit code. Allez, est-ce que tu vas nous taper ? Ah, par contre, si t'as que une ou deux ultras, enfin, voir une. Pas une ultra par OTB, on va voir. Après, on avait tellement l'habitude de dessiner radieuse, hein, forcément. Mais ouais. Cryptero, Toxizap, Kéminus, Laporeille, pardon, Poulpaf, Énergie Psy, Grelot d'Adieu, Lockping. Lockpin ou Lockping. Ouais, moi j'ai dit pain tout à l'heure. Si j'ai dit une bêtise, je m'en excuse. Ariyama. Passe de combat VIP en reverse et... Ah bah. Encore un petit Yveltal. Ah bah alors. On ne veut plus. Pour l'instant. T'as eu deux fois, c'est bon. Ouais, maintenant on en veut une autre. Le gros lot d'adieu, je l'aime beaucoup cette carte. On dirait vraiment un objet à la Dragon Ball. Ça fait penser à ça, moi. Hop, c'est pour vous. Maître Karine, hein, pour les puristes. C'est bon, pas de bêtises. En brochet. Ah, sans plus de rare. Récaillou. Grippate. Trousselin. Ah, Récaillou, c'est le retour aussi. Ouais. Je ne l'ai pas vu, moi. Non, la première. Feuille à joue. Énergie métal. Ah, ça ne va pas venir. Passe de combat VIP. Lui aussi, on n'a pas eu. Tog et des marous. Écolier. En reverse, Dark Ray. Et... En Goliath, en reverse. En holo. En holo, oh, pardon. N'importe quoi. Ensuite. Allez. Ah, ils nous les mettent à l'envers, les codes. Il faut retrouver une nouvelle manière de les... C'est ouais, un peu chiant, ouais. J'avoue. Bon, pour l'instant, c'est pas foufou. Hein. Pour l'instant, moi, c'est plutôt léger. Ben, on découvre de la belle carte. En tout cas, ouais. Mais on découvre pas forcément de l'ultra à gogo.
On s'en doutait un peu, mais enfin plus ou moins. Moi, une ou deux. Bah ouais. Furosinge, Cradopo, Flamajou, Mucuscule, Snubble. Ah, ça fait longtemps lui. Énergie obscure. Zoroark. Ok. Floutoutan. Chrysacier. Danseuse Andressa Rivers. Fulgudog VMAX. Yes. Elle est belle. Ah, elle est magnifique. Et ça tombe enfin. Eh ben, dis donc. Bon, ça va, il me reste encore 3 boosters. Fulgudog VMAX, plutôt joli comme VMAX. Oui. Et ah, ça fait plaisir. Cool. Il était temps. Quand même. On a envie quand même de découvrir vraiment le cœur de cette série. Bah ouais. C'est le but. Hop. On a eu de la chance avec les ETB. Clairement, je voulais une display, mais bon, il n'y en avait pas du tout dans les magasins. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, que c'était très compliqué. Balbuto. Coraillon de Galar. Quishfish. Goopix, sympa. Le Venard, ah, j'aime bien. Vraiment le retour d'anciens Pokémon, ouais. J'adore. Énergie plante. Oh, le classe. Joli. Le classe. Écolier, mon dresseur. Armando, Rachid et Noah. En reverse, Goopix. Et Latias, en rare. Tout doux celui-là. Hein. Ouais, ouais. Bien joli aussi cette petite Latias. Ouais. Allez, on attaque les Mew là. Ah ah. On va voir ce que ça nous réserve. On va voir ça. C'est pour vous. Ah, j'ai trouvé l'astuce hein, pour les codes. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je ferai comme toi la prochaine fois. En chouette. Zorua, Coquillas, Chenipan, Rototaupe, Énergie Combat, Chapignon, une bonne petite bouche, j'aime bien. Échange Croisé, Miss Max, ou Miss Max. Ouais, plutôt. Pardon. Reverse Morpeko. Oula, elle est jolie. Elle est belle, celle-là. Est-ce que tu ne nous caches pas quelque chose de... d'électrique? Je crois bien que c'est déjà... Un truc, là? Bah oui. Et ouais. J'arrivais pas dans le crabe abominable. Et bah voilà, bah une deuxième carte V. Oh, elle est belle. Plutôt pas mal. Classe. Ça, ça fait plaisir. Ouais, j'arrivais pas... Elle collait un peu. Marrant. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est... D'habitude, ça fait pas ça, mais là, je sais pas. C'est... Alors... Alors, dernier booster. Dernier petit Mew. Le code. Joli quota là pour le coup. T'as quand même deux ultras. C'est ouais, pas ça, mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. On avait un doute hein, quand même. Alors, Zigzag Ton, pardon, de Galar, Ferrosinge, Flagouste, Caninos, Nounourson. J'adore. Trop belle. Trop mignonne. Énergie, pardon. Oh. Scorvol. Votutrice. Oh. Lui, je l'aime bien. Fenard. Elle est magnifique. Frissonil en reverse. Et. Au massacre. En rare. En rare. Sympa, oui. Ça va. Et ben voilà. Ah, bah c'est cool. Eh bah écoutez, bon bah nous on va ranger tout ça. Oui. On se fait la petite récap, on la vous donne nos impressions et on se dit à tout de suite. Et on est de retour avec vous pour ce petit compte-rendu, ma foi, fort sympathique, hein, malgré ça tout. Ça fait plaisir. On a découvert des nouvelles cartes qui sont vraiment cool. On se dit que cette collection ne sera peut-être pas simple à compléter, mais si on arrive à avoir le minimum de ce qu'on aime et de ce qu'on souhaite,
Ben, ce sera toujours mieux que rien. Ah oui, complètement. Ça, c'est sûr. Oh oui. Alors. Attends, juste avant que tu commences, parce que moi j'avais oublié de vous donner tout à l'heure le petit code de mon ETB. Donc le voilà, c'est pour vous. Ben, ça c'est cool. Et quand on parle du minimum, voilà. Vous voyez les deux petites new là? Ouais, celles-là elles sont cool. Hein. Et ben, ça, elles claquent quand même. Ça va être ça notre objectif. Donc voilà. Ah ben, on verra si on les a. On verra. Et j'espère qu'on les aura. Alors, pour le moment, ce qu'on a eu. On a eu quand même des jolies choses, mine de rien. Bah oui. Un petit Melmetal en holographique que j'aime beaucoup. Ouais, elle est sympa. Elle est cool. Il y a vraiment des jolies illustrations dans cette collection. Oui. La petite Angoyat. Ah, elle est chouette aussi. En holo, une nouvelle fois, qu'on aime bien. Et le Lézargus VMAX que j'ai adoré. Vraiment, ouais, elle est splendide. J'adore les couleurs de cette carte. C'est une petite VMAX. C'est un petit coup de cœur pour moi. Je l'adore. Alors, pour moi, j'ai eu également Angoliat en holo. J'ai eu Crabominable en V, très sympathique aussi. Et en VMAX, j'ai eu le Fulkudog. Voilà, très, très, très joli. Et ben ça. Il y a des belles couleurs, les VMAX. J'aime bien. C'est chouette. C'est vraiment une belle série. Et comme d'habitude, et ben, c'est un bonheur de découvrir ça avec vous. Oui, un vrai plaisir. C'est le partage, c'est le principe du partage. On est là, on se fait plaisir avec vous. Et en parlant du petit Mew, pour ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo, je vous donne une petite info. Ah oui. Les deux prochains Pokémon qui vont sortir sur la Switch, hein, vous savez, les deux petits remakes, bah, si vous avez des sauvegardes antérieures de Pikachu Evoli et de Épée et Bouclier, vous pouvez débloquer Mew et Jirachi dans le jeu. Voilà, c'est cadeau. Ouais. Pour ça, tout, c'est super. Voilà. Franchement, c'est génial. Pour tous ceux qui ont joué à ces jeux-là, et ben c'est la petite info de fin de vidéo. Et en parlant jeux vidéo, ben on reviendra la prochaine fois parce qu'il y a des achats. Ouais. Il y a un petit Game & Watch. On fait tout ça, hein. On a un Game & Watch à vous présenter. Oh, en parlant de Game & Watch, il y aura le grand-père qui sera présenté avec lui. Ça en fera la comparaison des deux. Ouais. Pour ceux qui comprennent évidemment de quoi on parle. Et sur ces petits mots, je remercie une nouvelle fois tout le monde. On vous remercie tous. Oui, merci à vous tous. Le partage. Les commentaires. Ouais, ça fait super plaisir. Les merci likes. À vous. Et il y en a pas mal hein, qui ont été assez heureux. Bon, j'ai vu ça dans les derniers commentaires, qui ont hâte qu'on ouvre la display évolution. Eh oui. La XY évolution. Nous aussi, on a hâte. Hein. Ben, vous savez quoi faire. Il faut qu'on atteigne ce petit 1000 abonnés. Voilà. Mais avant les 1000 abonnés, on rappelle qu'à 500 abonnés, il y aura aussi un concours. Un autre, ouais. Donc voilà. Et progressivement, il y aura d'autres choses, évidemment, parce que votre suivi, il est très important. Bah oui. Et on a envie de le récompenser parce que vous le méritez aussi. Bah oui. Je te laisse le petit mot pour la fin. Et ben moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Et ciao, bye à tous. Ciao, bye.